passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mitumba, Mimo, dans ma forme la touche. Sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours, dans des comédies bien assaisonnées. Mi tumba, mi mop, donga, forme la troupe des déballeurs. Anas, tando, caro, forme la troupe des déballeurs. Ils sont là pour tout déballer. Débat tous passe autour de nous, côté cour et côté jardin. Vraiment. Je te cherche partout dedans alors que toi tu es déjà dehors. J'avais juste envie de prendre un peu. Aïe aïe aïe, le grand matin. Déjà dehors avec le miroir. Tout comme tu n'es pas belle. Tu n'as rien à faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aïe, aïe. Bon, en tout cas, je vais déjà au boulot. J'ai laissé l'argent de ration au chevet du lit. Il faut que je parte. Bon, on se voit le soir. Oui, mais qu'est-ce qu'on va préparer alors? Bon, fais du coquille. Le coquille. Ouais. Tu fonces la face pourquoi alors? Je ne comprends pas. Chaque fois que je te demande de faire un mets traditionnel, tu n'es pas contente. Ce n'est pas que je n'aime pas faire les mets traditionnels. Avant-hier, j'ai préparé quoi, le tarot, non? C'est juste que ça me fatigue. Quand je prépare le coquille, on ne sent pas. En tout cas, prépare ce que tu veux, ça ne me gêne pas. Moi, je pars, hein? On se voit le soir. Chérie. C'est quoi? Tu ne m'embrasses pas. Oh, toi, la femme, c'est... C'est juste parce que je suis un peu pressé, je suis déjà en retard. Allez. Attends, ta coiffure, hein? Il faut faire une coiffure sur ta tête. Ça fait près d'une semaine que tu n'as pas fait de coiffure. N'aime pas te voir comme ça. Ça ne te plaît pas? Quoi, me plaît? Tu n'as pas de coiffure, oui, oui, ça. Ma femme doit être resplendissante, non? Allez, bonne journée. Laura, mais fais vite, on va au marché. Tu devais déjà m'ouvrir la boutique avant qu'elle ne vienne. Ouais, imagine, toi mes soucis, non? Bon, tu traînes trop, moi, il m'en vais déjà me changer. Bonjour, ma. Bonjour, ma fille. Moi, m'en vais déjà. Bon, vas-y. Sache que j'ai mouillé les habits pour que tu les laves dès ton retour de l'école. Maman, on a rien de baigner. Ah. Le reste d'argent du savon d'hier. Hein? Prends ça une fois.
150, ma. Je vais faire quoi avec ça? Tu dis que quoi, Tonga? Que tu vas faire quoi avec ça? Hey. Ah, ah, madame, tu es bien. Tu as même vu ça? Je te dis que demain, il n'y en aura même pas. Et d'ailleurs, tu sembles oublier que ton père ne vit même plus. Regarde mes yeux. Laura, s'il te plaît, lance-moi alors. Je te lance que je prends l'argent. Ouais, est-ce que tu es élève comme moi, Laura? S'il te plaît, lance-moi, ma soeur. Non, je ne suis pas élève, je travaille. Mais tu fais le commerce avec maman, non? Ah, tu as bien dit. Le commerce avec maman, non? C'est la marchandise de qui? Maman. La recette va chez qui? Maman. Je n'ai même pas 5 francs. Tout là, c'est à ta mère, il faut lui demander. Ouais, s'il te plaît, on va beaucoup travailler à l'école aujourd'hui. Et j'aurai trop faim. Ouais, s'il te plaît, Laura, ne me laisse pas tomber. Pardon. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je n'aime pas les manquants comme ça. Prends. Mets ton ventre dans ton. Maman, je vais t'amener. Merci, ma soeur. Non, ne passe pas. Tu passes. Bonne journée. Bye. Ne rentre plus tard, hein. Papa. Merde. Ça c'est quoi ça? C'est pas possible. C'est quoi ce groupe là? Mais mon frère, voilà le père. Depuis que je lui parle, il ne répond pas. Mais qu'est-ce que c'est là? Papa. Merde. Papa. C'est pas vrai ça. Qu'est-ce qu'on fait, gars? Hey, Maro. 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 On t'appelle depuis que tu comprends pas. C'est quoi? Pas le père qui ne répond pas. Depuis qu'on l'appelle, il ne répond pas. Hey. Ha. Hey, il reste mais... à peine. Ouais. Allez, monsieur, amenez le tension, amenez bon, l'hôpital. Je m'arrête. Il reste à peine. Oh, tu veux me laisser? Maman, calmez-vous, on attend maintenant que le taxi. Qu'est-ce que vous avez à crier comme ça dans cette gars, c'est bon. Pardon, quittez là. Le taxi est là-dedans. Amenons-le. Thank you.
ça va? Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis un peu en retard, mais tu sais, je ne pouvais pas partir avant que tu ne sois venu. Sinon, ça va? Ça va. Et la nuit, ça a été? Assez bien. Même comme tu ne me laisses pas bien dormir, hein, parce que chaque fois quand je me couche la nuit, je ne rêve que de toi. Hein. Arrête ça, menteur. Moi, menteur? Tu sais que je peux mentir à tout le monde sur cette terre, sauf à toi. Mon amour. Merci, ta flatterie. Bon, il y a des spaghettis que j'ai achetés, c'est dans la casserole là, avec du poisson. Et les condiments aussi. Hein, j'espère que je n'ai rien oublié. Hein. Non, pour ça, j'ai confiance en toi. Je sais que toi, tu fais le marché plus qu'une pomme. Ok, chérie. Je vais me mettre à ton travail. Oui, bon. Je vais te retrouver à mon retour. Oui, mais si tu rentres tôt, hein. D'accord. Mais quand même, après la cuisson, tu vas d'abord aller à l'école avant de revenir. Akabi, moque-toi aussi. Est-ce que j'ai la tête pour l'école? Ouais. C'est vrai, ma chérie. Dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Hein? Il faut faire ce qu'on aime. Tu sais, ce que moi j'aime, c'est toi que j'aime. N'est-ce pas? Je suis très heureuse qu'elle soit avec toi tout le temps. Tu le sais, non? Prouve-le-moi encore une fois de plus. Non, il faut aller, sinon tu seras en retard. D'accord. À tout à l'heure. Tu passes une bonne journée, hein? D'accord. Ok, chérie. À tout à l'heure. D'accord. Toi, tu vas où là? Mais je venais chez toi. Il y a quoi le grand matin? On a rendez-vous plutôt le soir. Tu viens le grand matin comment? Mais quoi le grand matin comment? Je ne savais pas le soir. Papa est gravement malade. Hein? Et je serai avec lui là-bas. Il a quoi ton père? Il a fait une crise ce matin et on l'a transporté d'urgence à l'hôpital. Je voudrais qu'on cause même pour 10 minutes. On est chez toi. Bon, mais causons même en marchant. Non, pourquoi? Ta maison est juste à deux pas. Pourquoi ne pas entrer chez toi et qu'on cause? On sera plus à l'aise là-bas. Attends. Toi et moi, on a un problème. Quand je te parle, comprends-moi. Parce que moi, comme je suis sorti là, mon bailleur va arriver d'un instant à l'autre. Et moi, je n'ai pas d'argent à lui donner. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer à la maison. Allons, on va causer en route en argent. Tu m'expliques ce qui ne va pas. Ton bailleur? Oui, mon bailleur, il va venir là. Je n'ai pas d'argent à lui donner. Ah, c'est pour ça que je fuis. Ah, d'accord. Hein? Oh, là. Bonjour, ma. Bonjour, mon fils. D'où sors-tu? De l'hôpital. L'hôpital? Tu es malade? Mais quelle question? Donc, tu n'as pas appris que papa a rechuté et qu'on l'a conduit d'urgence à l'hôpital? J'ai appelé ça à mon retour du marché. Et tu es là, tranquille, concentré à ta beauté. Tu ne te gênes même pas. Tu voulais que je fasse quoi? Mais maman, c'est ton mari qui est malade, qui est mourant à l'hôpital. Pardon, ne viens pas me déranger. Il est malade. C'est moi qui ai mis la maladie sur lui. Vous l'avez amené à l'hôpital, mais c'est bien. Maman, c'est toi qui es sa femme, c'est toi qui dois rester à ses côtés. Hé, sa femme, je suis sa seule femme. Si je ne suis pas là, il y a bien d'autres qui peuvent s'occuper de lui, hein? Comment? Ouais, maman. Et si les autres femmes font la même chose que toi, qui va veiller sur papa? Ce n'est pas mon problème, c'est pas mon problème. Ton père là même aussi, il devient déjà trop malade. S'il va mourir, hein, qu'il meure tranquillement. Et il libère les gens. Maman, pardon, baisse le ton. Si les gens apprennent un instant que tu es en train de parler de pareilles choses, on va même dire que c'est toi qui as lancé cette maladie à papa. Stop. Hein? C'est moi, ta maman. C'est toi, mon fils. C'est à moi de te donner les conseils, non le contraire. Tu me suis? Ma chance. En tout cas, je
te dis ce qui est, ce qu'elle pourrait te dire. Les babouches pour le mariage. Oui, machin d'accueil, adieu. C'est pour vous. Oui, machin d'accueil, adieu. C'est ça. Babouche de qualité. Enfin, les babouches, madame, les babouches de Prince Big Mop. Mettez les babouches arrivées à l'église, asseyez-vous au premier banc. Laisse-moi comme ça. J'ai l'agenda à nous. C'est bien préparé. C'est même pas pour moi. Non, je t'enlève 200, 800, c'est bon. 300 les babouches. 300 les babouches. 300, c'est 300. Oui, machin d'accueil, adieu. Où sont les femmes? Aïe. Comment est-ce la journée? Ah! Ah, bien. Ah, yeah. J'ai beaucoup à faire, vraiment. Il faut que je me précipite. Chérie, tu devais manger avant de faire tout ça. Est-ce que c'est maintenant que tu rentres subitement du travail, tu commences un autre travail? Non, vraiment. J'ai un document à traduire en allemand pour un ami. Donc, il va venir chercher ça tout à l'heure. Il ne faut pas qu'il arrive et trouve que je n'ai pas fait cela. S'il te plaît, trouve-moi plutôt un verre d'eau à boire. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu as mangé quoi? Rien. Parce que je saigne. Tu saignes? Oui, depuis cet après-midi. Ouf! Donc ce mois encore, tu as saigné. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Ça fait 6 ans aujourd'hui que toi et moi sommes mariés. Tu n'as jamais eu de retard ici, même pas pour 2 jours. Chaque mois, tu saignes, tu saignes. Tu es la seigneurie. Ouais, Mintumba, est-ce que c'est de ma faute? C'est la faute de qui? C'est la faute de qui? C'est moi qui vais être enceinte à ta place. Comment tu peux dire ça? Toi-même, tu sais que depuis qu'on est mariés, on est parti à l'hôpital, on a fait tous les hôpitaux. Le docteur a dit qu'il n'y avait pas de problème, non? Il fallait attendre. Moi, je ne sais pas. Je vais attendre, attendre jusqu'à quand, Madou? Je vais attendre jusqu'à quand? 6 ans? Non. Mindumba, l'enfant, c'est Dieu qui donne. Et Dieu qui donne, il attend quoi pour m'en donner? Dieu attend quoi pour me donner un enfant? Tous mes amis avec lesquels nous sommes mariés au même moment, ils ont déjà les enfants. Même mes petits frères qui sont mariés après moi, ils ont les enfants. Et bien tu veux me parler que c'est Dieu qui donne. Donc lui, il ne me voit pas. Dieu ne me voit pas quand il donne des enfants. Comment? Même les petits enfants qui vont encore à l'école, qui n'ont même pas l'âge de se marier, ils ont les enfants.
Moi qui suis marié, il ne m'en donne pas. En tout cas, toi seul là, toi seul, tu sais ce que tu as fait dans ta jeunesse. Ah oui. Hey, Ntoumba. Ntoumba, comment tu peux dire que moi seul je sais ce que j'ai fait de ma jeunesse? Je me suis mariée avec toi très jeune. J'ai passé toute ma vie ici avec toi. Qu'est-ce que tu as fait que tu ne connais pas? Non. C'est la même chanson que tu chantais tous les jours. Il y a quelqu'un qui t'a connu. J'ai dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Je te jure, ça ne peut plus continuer comme ça. Il a trop supporté. Non, c'est pas sérieux. Mais c'est trop. Il me faut d'enfants qui est là tout le temps qui chante. J'ai dit, je vais trouver une solution à ce problème-là. Comment? Je vais parler.